À Beauvais ce matin, la mère Caroline Cailleux organise une cérémonie en soutien au peuple ukrainien, dont le pays est envahi par la Russie depuis la fin du mois de février. C'était simplement pour montrer la solidarité de la ville de Beauvais avec les Ukrainiens. Et je pense que c'est en effet un beau symbole aujourd'hui. C'est des moments très émouvants, oui. Très forts, très émouvants, mais on se doit de le faire. Bonjour Madame la Préfète, je peux l'enlever, je vois. Bah, on est dehors. On est dehors. J'ai fait comme vous, absolument. Je l'avais gardé. Absolument. 300 personnes ont fait le déplacement. Parmi eux, plusieurs Beauvaisiens d'origine ukrainienne. Ils habitent tous les deux à Beauvais. D'accord, depuis longtemps ? C'est 10 ans. D'accord. 6 ans. 6 ans. Il est professeur à La Salle. Ah, très bien, très bien. Et madame travaille à RS Component. Et ses parents habitent Kiev, donc elle les attend avec impatience. Une cérémonie présidée par Caroline Cailleux, maire de Beauvais depuis 2001. Avec son équipe et sous l'étiquette du RPR, elle décide de se lancer à la conquête de la ville pour tenter de battre le maire socialiste en place depuis 24 ans. Aujourd'hui, l'élu en est à son quatrième mandat, une fonction qui l'anime toujours autant. Je crois que dans la vie, quand vous avez beaucoup reçu, quand vous avez eu beaucoup de chance, il faut beaucoup donner. Et c'est un peu, j'allais dire, ce que je fais spontanément aujourd'hui. Quand j'ai redémarré en politique, mes enfants étaient grands et j'ai pensé que je pouvais aider cette ville à devenir une belle capitale de l'Oise. C'est aux côtés d'Yvon Bourges, député maire d'Ille-et-Vilaine, que Caroline Cailleux fait ses débuts en politique dès la fin de ses études, quand il lui propose de l'aider dans sa campagne législative. Elle s'engagera ensuite aux côtés des ténors de la droite, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, un engagement qui n'a pas toujours été facile. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient élues. Il n'y en avait pas du tout d'élus dans une ville de la taille de Beauvais en 2001. Et c'est vrai qu'il nous fallait, j'avais compris qu'il fallait que je fasse mes preuves, sans doute un peu plus qu'un homme. J'ai pas beaucoup aimé le qualificatif dont on m'a affublé, la blonde à Beauvais, en pensant que la parenthèse de la blonde de 2001 à 2008, ça a été un peu, il fallait la refermer, disait l'opposition. Élue également sénatrice en 2011, elle doit faire un choix avec la loi sur le non-cumul des mandats. Elle décide finalement de quitter le palais du Luxembourg et de rester dans sa mairie de Beauvais, mandat dans lequel elle dit trouver plus de sens.